Bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue. Première demi-finale garçon ce soir, Houssine contre Georges Alain. Claudie, on en parle de ce clin d'œil de Noël dans ta dernière vidéo. Non, t'en as pas fait un gif. Si t'as fait un gif, je meurs. Je peux pas vous tenir. Vous me tuez, vous êtes intenable hein. Saison 2, Prime 15, avant dernier Prime, avant la fin définitive de la saison 2, ou peut-être pas, peut-être que je vous réserve une toute petite surprise pour les fêtes de fin d'année. Surprise. Donc c'est la demi-finale, Houssine contre Georges Alain, on va vivre un grand moment, c'est parti! Ils veulent la célébrité, ils rêvent de succès, ils attendent la gloire, ils sont 16 à vouloir devenir star. Paris Latino? Non. En fait, c'était une vue de l'esprit. Ils n'ont jamais chanté Paris Latino en ouverture de Prime. Elles font très seules, du coup, sur le plateau. Hein. Elle avait pas envie de la chanter. Elle avait pas envie. Et ce cancer de la joie, Emma, comment il va? Oh là là. Oh là là, l'arrivée de fond de... Il y a deux mecs qui s'en battent les reins là-haut, regardez. Regardez. Regardez là-haut, derrière. Regardez, juste derrière Houssine. Regardez les deux mecs derrière, avec le mec avec le pull rouge. Il discute avec un gars, il s'en bat les reins. Ah mais moi, c'est pas moi. Je te le dis, c'est pas moi. Voilà, ils ont l'air si à l'aise. Moi, ça me mettrait mal à l'aise, tu sais, d'être comme ça et de voir quelqu'un qui est comme ça devant moi. Ça me mettrait très mal à l'aise. Bonsoir à toutes et à tous. Ah. Bonsoir. Attends, c'est là où je peux faire ça. Academy chante en direct. Il y aura parmi nous Mr. Tom Jones. Oh là là. Mais aussi la très belle et belle voix Lara Fabian sera parmi nous. Voilà ça. Je me suis dit, s'il y a une femme, bah pourquoi je suis étonné chaque semaine? Pourquoi? Dites-moi pourquoi. Peut-être que j'espère un jour un sursaut. De me dire qu'il va décrire un homme en disant une superbe voix, Tom Jones, et puis bien sûr, énorme talent, Lara Fabian. Mais non, elle est belle, juste d'abord. Ça va, si elle est belle, c'est ça. Aussi, ah oui, il a des petites rayures. À qui elle est belle? Oh, c'est laid, hein. On dirait les dessus de drap d'un salon érotique un peu. Ça me met mal à l'aise. Deux amis inséparables depuis le début de l'aventure. Ils sont complices, ils s'estiment, ils se respectent comme des hommes. Mais que pense Houssine de gens? Ils se respectent comme des hommes, bien sûr. Hein. C'est très important de le préciser. Parce que bien sûr, les femmes, à part vous crêper le chignon, vous faites quoi? Et ne pas vous respecter entre vous. Qu'est-ce que vous... Répondez-moi, être belle parfois. Dites-moi. Jean-Jalin. Oh non! Ah oui, bah alors là, il doit y avoir une musique non libre de droit. Ah, c'est dommage, on va passer un grand moment. C'est un beau roman. Ah d'accord, c'était ça. C'est un beau roman. C'est une belle histoire. Ah non, c'est un mec, c'est un mais mec. Pas du tout. C'était pas du tout ça, la musique. Oh là là. Oh, l'effet de morphing. Mais en fait, genre, quand tu fais un effet de morphing, oui, en fait, mais il se ressemble pas du tout. Oh là là. Mon école, mais il a envie de perdre. Il chantait bien la semaine dernière. C'est faux, Georges Alain, tu chantes bien. Ah bah il fait exprès là. Il chante bien normalement, on l'a entendu la semaine dernière. Oh là, vous avez vu toute cette envie dans les yeux de Georges Alain quand même. Il y a beaucoup d'émotions qui se dégagent de ce regard, je trouve. Je comprends vraiment pas pourquoi. Quand on l'entend parler de la Starac maintenant, comme quoi on lui a volé la Starac parce que c'est lui qui devait aller en finale, je comprends pas, parce que Georges Alain, on voit qu'il avait envie de se barrer, quoi. Les filles et les coups de matin. C'est vrai que Houssine, il n'est pas ouf non plus, hein. Oh. Oh, oh. Oh, c'est technique en plus, ça. Oh, oh. Non, il n'y a pas eu... Non, arrête, Houssine. Houssine, nous la fais pas. Il n'y a pas eu d'émotion. Tu chantes très bien habituellement. Là, tu n'as pas très bien chanté. Il n'a pas très bien chanté. Tu n'es pas ému, Houssine. C'est faux. Et en plus, il n'est pas en cuir, donc c'est pas possible. Il pleure car Gilo lui a mis un râteau. J'adore, c'est que t'as quand même... Le plus, c'est tout le monde chiale. Houssine pleure aussi Houssine pour Georges Alain ce soir. Houssine
pleure aussi pour Georges Alain. Moi, ce qui me tue le plus, c'est regarder Georges Alain, zéro émotion. Il s'en fout. Il s'en fout. Ah bah la répète à Serégé. Et être vraiment brillant. Mais oui, je viens de capter, oui, il a répété à Serégé. Alors Georges Alain, je pense qu'il est vraiment sur la bonne voie. Et quand il aurait vraiment trouvé cette notion de plaisir et pas de travailler sur l'arraché, sur la souffrance. Ah, il avait pas envie, quoi. C'est pas un pas en avant, mais c'est un bond en avant. Je connais pas les paroles. Voilà, et maintenant bouge le plus. On l'a vu, ça, Georges Alain. Plus grand parce que je dansais. Ok, c'est bon, Kamel, je l'ai. Souquet les Artimus, quoi. C'est... Oh, la c'est veste, la veste de Nikos, pardon. Je ne vois que ça. Je ne vois que les traits. Nous l'avons déjà reçue sur notre plateau. Elle est généreuse. Elle a une voix exceptionnelle. Voilà. Elle s'appelle Lara Fabian. Elle chante Je t'aime. Oh, dis donc. Putain, attends. Waouh. Qu'est-ce qui vient de se passer? Vous avez entendu le lancement comme moi? Attendez, il y a un problème. Déjà. Non, il n'a pas dit la belle Lara Fabian. Justement. Francophone. Nous l'avons déjà reçue sur notre plateau. Elle est généreuse, elle a une voix exceptionnelle. Elle s'appelle Lara Fabian, elle chante Je t'aime avec Emma, acoustique, piano et cordes. Alors là, gros plan. Mais que se passe-t-il? Peut-être que Lara fait signer une clause anti-remarque de beauf. Non, il l'a fait avant. Mais incroyable. Il dit elle est généreuse, elle a une très belle voix. Il aurait pu, on le connaît, glisser un petit « Elle est belle » ou « Elle est généreuse à tous les niveaux ». Je suis dérouté. Pas de remarques sur le physique, je suis pas bien. Aussi, il a été très très. Il a dit la belle ou pas? Attendez, est-ce que du coup je. On voyage d'abord parce qu'elle est généreuse, parce qu'elle donne artistiquement, humainement, mais quelle voix exceptionnelle et merci d'être avec nous. Emma vous a donné aussi. J'attendais la sortie de route et toujours pas. Mais qu'est-ce qui. Sur le plateau de la Star Academy. Merci beaucoup. Et vous nous merci parlerez aussi de vos musiciens. Lara Fabian. Et vient de dire, et vous nous parlerez aussi de vos musiciens. Il prend en compte tout le monde en plus. Mais qu'est-ce qui se passe? Je n'y crois pas. Je n'ai pas envie d'y croire. C'est pas la Star Academy qu'on regarde. L'émission se termine. Vous êtes... C'est l'effet costume à rayures. Lara Fabian retire les gosses de Nico. Je vois que ça c'est clair. C'est sûr, mais je ne comprends pas. À celui qui part, ne se retourne pas. Pas de serrage de main, rien. Rien. Celui qui part, pas de serrage de main, rien, on se retourne... Mec, enfin, c'est bon, t'es pas à l'armée ou je sais pas quoi, je... Armand réveille les garçons. Ah, puis ça doit sentir le fennec là-dedans. Le cours de chant, il est pas adapté. Il y en a trois qui arrivent à prendre, qui suivent le cours et moi, je suis en galère. Donc, tu fais semblant de bosser, tu fais semblant... C'est pas adapté. Je crois qu'il allait dire, c'est pas adapté, c'est mal fait. Il est en train de dire tout le monde suit sauf moi. Mais non, c'est toi qui veux pas suivre. C'est crade. Regardez le bol à côté sur l'ancien lit de Rudy. Aucun respect. Regardez le bol là. Il y a encore des trucs dedans. Mais oui, il y a des chocs à pic et tout. Mais c'est dégueulasse. On va pas le faire. Moi, je suis condamné. Moi, je suis un mec. Mais il y a encore le bol. On est vendredi. Regardez. Vendredi, il y a encore le bol. Et il y a un verre maintenant à côté. Mais regardez-moi ce lit, c'est un dépotoir. Il y a un vieux caleçon sale. Mais regardez-moi ça. Oui, putain de Giotto, merci. Ça, oui, merde. Alors ça, pourquoi Houssine, au-dessus de sa tête, c'est un portrait de lui avec Aurélie. Alors, il le cache un peu avec sa tête, mais la pose a l'air... on dirait une photo de mariage. Non? Tom Jones, il interprète son tube planétaire. Sex bomb avec Georges Alain et Houssine. Soyez là autour, les gars. Alors, attention. On n'a rien eu. Le retour plateau. Il est full cuir. Pourquoi j'ai pas préparé cette alerte? Pourquoi j'ai pas cette alerte? Mais merde. Il est full cuir. Yeah. Ouh là là, j'ai chaud. Regardez Georges Alain. Oh, il a pas envie d'être là, quoi. Ou s'il est à fond, Georges Alain fait zéro effort, quoi. À la Star Academy, accompagné par les danseuses de Kamel Wally. Welcome, Tom. Thank you. Welcome. Est-ce que l'arrivée... Comment on juge l'arrivée de Nikos? Accompagné par les danseuses de Kamel Wally. Welcome, Tom. Thank you. J'ai envie de voir le mal partout. Mais je trouve que ça va. Je trouve que ça va. Il a pas dit les belles danseuses. Welcome, it's a pleasure to be with you. Is not to copy. Première chose, ne pas copier les autres. Anybody. It's good to be influenced. C'est bien d'être influencé by other singers. Par les autres chanteurs.
putain, les enfants. Je suis désolé, mais c'est ça, c'est son clone, c'est pas Nikos. Qu'est-ce qui se passe? Il traduit, genre ils sont calés, ils sont professionnels. Il dit une phrase, bam, il rebondit, traduction. Il dit une phrase, bam. Mais qu'est-ce qui se passe? Il est pro, ça se passe, il y a des femmes, pas de remarques sexistes. C'est pas la Star Academy. C'est la même histoire que Paul McCartney. Il a été remplacé. Il est mort, il a été remplacé pour moi. Premier indice, on aurait dû se méfier. On aurait dû se méfier. La veste. Notre Nikos n'aurait jamais porté la veste là. Jamais il aurait porté ce truc là. Non, c'est pas possible. J'y crois pas. Je voudrais aussi vous dire quelque chose que vous ne savez pas. Notre prof de danse, notre chorégraphe s'appelle Kamel Wally, faisait partie de vos danseurs il y a quelques années. Et il a fait avec vous sa dernière chorégraphie. Depuis, il est devenu professeur. Vous avez changé sa vie ce soir. That's quite right. Merci de lui avoir donné. Mais il est classe et tout. À tout à l'heure. Mais il est classe et tout. Mais oui, il y a même une jolie anecdote. Il y a même une anecdote sympa. Genre qui... Mais il est sur le cul, regarde. Attends, c'est pas vrai. Merci. Merci. Il dit pas c'est pas vrai, l'anecdote. Il dit c'est pas vrai, qu'est-ce qui se passe avec Nikos? Même la transition est bien. Raphaël Richisoui. C'est pas un vrai prime. On arrête, on passe à celui de la semaine prochaine. C'est ça, Erin. Ils ont mis une IA. À partir du prime 15, ils se sont rendu compte que c'était problématique. Sur YouTube, en uploadant les primes, ils ont changé tout ce qu'il a dit. Vous pouvez également voter par SMS pour Jean-Jalin. Ah oui, du coup, attendez. Je m'en occupe tout de suite, d'ailleurs. Oh là là, oh, il est incroyable. Il est incroyable. Alors attendez, est-ce que je le mets en moi, où je peux aller en alerte, ou je le mets pour vous? Parce que si je le mets pour vous, vous allez en abuser. Je tente de le mettre pour vous. Vous essayez d'y aller avec parcimonie, s'il vous plaît. On remercie Céline dans le chat, s'il vous plaît. C'est grâce à elle qu'on va l'avoir dès ce soir, parce que j'ai chié dans la colle. Incroyable. Incroyable. Mais merci beaucoup. Essayez. Non, c'est bon. Non. Attendez, c'est un peu fort. C'est un peu fort, par contre. Ah, je peux pas... Voilà. Même à 30%, c'est fort. Je mette un cooldown parce que sinon ça va être affreux. J'en mets 10 par jour. C'est pas mal 10. Combien je vous en mets max? Soit 450. On se retrouve très vite dans quelques instants avec Jane Birkin, mesdames, messieurs. Lara Fabian qui revient. Tom Jones aussi. C'est pas fini. Et Magic System. Mais surtout avec nos deux camarades, nos deux finalistes. Mais attendez, mais il y a tellement d'infos. Déjà. Incroyable. Donc, Nikos, zéro remarque. Il y avait Jane Birkin, il y avait Lara Fabian, pas de remarque, et il va y avoir Magic System. Je ne réponds plus de rien. Il lui a écrit, c'est vrai, des chansons exceptionnelles, des chansons qui nous font tous rêver, des chansons éternelles qu'elle continue d'ailleurs de chanter avec grâce et émotion. Mesdames, messieurs, c'est un honneur, elle est parmi nous ce soir, voici Jane Birkin. Mais même le lancement est hyper classe. Mais Nikos est hyper classe. C'est Nikos. Je voudrais les applaudir déjà et voilà, je vais essayer de faire aussi bien que je peux avec eux. Mais il l'a pas coupé. Mais attendez, il y a un truc qui va pas aujourd'hui. Faut qu'on parle. Alors je sais qu'on est qu'à 40 minutes, mais faut qu'on parle. C'est ça, vous imaginez qu'on en est arrivé à un point dans la Star Academy où on est stressé parce qu'il n'est pas graveleux quand même. Oh là là, cette version un peu... Oh là, puis Alexia qui en fait toujours des caisses. Ou Sin, ça lui va pas du tout non plus. La main.
je l'ai revu l'autre jour. Non, c'était mon... C'est, en fait, le show était vraiment nul avec un accent. Alors, vrai. Peut-être... Non, regarde Sinode. Il l'a enlevé de lui-même. Il l'a enlevé de lui-même. Qu'est-ce qui se passe? Regarde. Jour, non, il s'est dit... Mon, non, c'est... Et hop. En fait, le show qui était vraiment nul avec un accent... Il l'a enlevé. La lucidité du joueur grec. Ça, c'est affreux. Mais... Nico, si tu nous entends, pose une... fais tomber un livre derrière moi. Merci de votre générosité, Jen. Merci d'être avec nous ce soir. Bravo, les garçons. Mais il l'a écouté et tout. Est-ce que... Les chorégraphies sont périlleuses. Les escaliers sont traîtres. Oh là là. Les sols glissants. Et les lits remplis de pièges terribles. Les effets, écoutez. Et les lits remplis de pièges terribles. Et ils étaient obligés de convoquer une voix off pour ça et tout. Les sols glissants. Et les lits remplis de pièges terribles. Nos amis oh, ça a tellement vieilli. Oh là là. À la cinquième place. Oh, il y a un top. Il y a un top. Qui osera dire après cela que Georges Alain n'est pas doué en danse classique? Cet entrechat à l'horizontale est un modèle du genre. Et tant pis si aussi n'est pas de cet avis. Oh les commentaires. Oh les commentaires, il y a de la narration. Et vous avez remarqué qu'ils mettent le générique en boucle derrière. On va péter un câblos. Quatrième, c'est la rotonde infernale. Ils donnent des titres. C'est quoi ce... Qui va gagner le caméscope? C'est quoi ce... Kamel Wally. Allez, alors attention. Est-ce qu'on va le retrouver? Est-ce qu'on va retrouver notre Nikos? C'est le moment. Vous avez l'habitude de faire tomber vos partenaires dans vos chorégraphies? Allez. Magnifique. Bon, chers élèves. Vous... Putain, mais il gère. Il y a pas de moment de flottement. C'est drôle, ça. Ça va vite, quoi. Chanter ce soir avec un autre quatuor. Je l'ai mal dit, là. Comment on dit quatuor? Et il se reprend en direct sur les mots qu'il prononce mal. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est la fin du stream. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Même Mathieu Gonnet est plus malaisant que Nikos. Vous vous rendez compte de ce qui se passe ce soir? Tout le monde galère, écoutez. Personne n'est en rythme. Oh, regardez, regardez Georges Alain. Il chante pas du tout. Regardez. Personne ne chante. Oh, c'est une catastrophe. On a l'impression qu'il n'y a pas eu de répète. C'est une catastrophe. Ils sont en mode Chirac, finale 98. Mais ils ont pas appris la chanson, c'est affreux. Ouais, c'est un peu mou. Je pensais que ça serait plus... Ah oui, mais c'était drôle. Parce que là, vous avez bougé. Là, c'était pas que automatique. Là. D'habitude, pour moi, là, il va dans les graviers. Là. Et là, non. Mais attendez, même la prof méchante, elle sourit. Vous l'avez vu? Emma, tu veux du sucre? Continuez. Moi j'arrête là. Hein. Mais là-dedans, mais la prof de danse méchante, elle rigole. Mais on n'a pas de contexte parce que Georges Alain, il doit imiter quelqu'un qui doit venir jouer du piano pendant les cours de danse classique, mais comme on les voit pas, on sait pas qui c'est. C'est... Bah c'est hilarant. C'est... Mais qu'est-ce qui se passe? Pitié, mais qu'est-ce qu'on est en train de regarder? On n'est même pas une heure. Je viens de voir le temps. Regardez pas le temps en bas. Je vous le cache avec ma souris. Merde, ma souris devient... Je peux pas le cacher. Je vais mettre un patch devant le temps. Je vais enlever mon horloge. Je vais tout enlever. Ça va Mathieu? Mais ça c'est sûr, c'est privé de joke. Ça c'est sûr, c'est un truc qui est arrivé vraiment à Mathieu Gonnet.
Et c'est long comme Magneto. Alors attendez, attends. Je vous cache la barre de temps. C'est immonde. J'enlève l'heure, attendez. Tac. Je vous l'enlève aussi. Je vous enlève tout. Même si c'est moche, je veux pas que vous disiez où vous étiez et quelle heure il était. Je veux pas. Ah merde, je me rends compte que le canapé, il est juste... Regardez, on voit la timeline. Je vous ai fait perdre 2 minutes pour rien du tout. Je vous ai fait perdre du temps pour... Et ça sert à rien du tout. Je me fais chier, ça sert à rien. J'en ai marre de moi. Je me dis, je suis trop content, c'était fluide. Et là, je me dis que j'ai envie de recaler le canapé. Oh, c'était long comme Magneto. Je suis allé chez Jean Jalin, à Nice, recueillir les messages d'encouragement. Il a des supporters. Ah oui, effectivement. Qu'est-ce qui se passe ? Nous sommes allés chez Jean Jalin, à Nice, recueillir les messages. Ah ouais. Ah oui, la joie, Jean Jalin. Les supporters. Allez, Jean Jalin, on est tous avec toi. Tu vas cartonner, on est sûr que t'es le meilleur. Bon courage, Jean Jalin. Et pourquoi déjà ils interviewent quelqu'un en train de courir ? Et pourquoi le mec pêche dos à la mer ? Tu vas cartonner, on est sûr que t'es le meilleur. Bon courage. C'est de l'autre côté, monsieur. Il est trop à fond, lui. Hein. Lui, il est beaucoup trop à fond. Hein. Regardez. Le pauvre gamin. C'est vrai que c'est pas son truc, il aime pas danser en string avec Meredith. Ah, c'est bon. La rechute. Bah c'est ça, hein, la magie Star Academy. C'était sûr. Le string. Oh, ça faisait longtemps. Oh, le coup du string, ça faisait... On a eu peur. Ouf. Nico, c'est malaisant. Merci. Par contre, pourquoi ils l'ont mis sur un banc ? Ça va, hein ? Bon, il est pas parfait tout le temps, mais ça va, quoi. Ah oui, la vache, Tati, elle rigole pas, hein. Ah, Tati, elle rigole pas du tout, hein. Ah, ça va se balancer des grosses vanasses à la maison. Kamel Wally. Bravo, Jean-Jalin, bonne chance. Nikos, il y a des femmes derrière toi, sur des balançoires, dans des tenues légères. Nikos, s'il te plaît, fais une remarque, tu me fais peur, Nikos. S'il te plaît. En fait, 97, 66, on s'attend tellement 01, à ce qu'il fasse une remarque horrible qu'on Jean entend Jean des choses et non. Et ça se trouve, c'était une hallucination. Il a jamais fait une seule remarque depuis le début et c'est nous qui l'avons entendu. Ah, le petit pouce quand même, attention. Je m'accroche à n'importe quoi, ok. Il fait un pouce pour moi. Voilà, pour moi, il fait un pouce, je m'accroche à ça. Tati Jean-Jalin, elle est jamais contente, hein. Et après, on s'étonne pourquoi Jean-Jalin il est comme ça, mais regardez, à chaque fois qu'on fait un plan sur la tati à Jean-Jalin, elle a l'air d'être rude, hein. Tout est mes éclats de rire. Oh là 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 là. Par contre, Nikos, ça va, mais alors par contre, les mecs qui font les montages, ça va toujours pas, quoi. C'est. Putain, le moment qui fait mal. Oh là là là. Le vrai Nikos, c'est pas ça la régie, c'est ça. Maria Carré, par exemple, Ophélie Winter. Ne dites pas qu'ils sont tous pareils, ils ont quand même quelque chose en différent. Ah, il revient petit à petit, il revient par la petite porte, mais il revient. Ah, je suis... Que de chanteurs mythiques sur ce plateau. Et il enchaîne ce soir. Non, Nikos dit, insiste sur Maria Carré, insiste. On stage, on live, on air, Mr. Tom Jones and the students of Star Academy. Tom Jones International. Qu'est-ce qu'il raconte Jones on stage. Écoutez bien, qu'est-ce qu'il raconte. Il bug là, Nikos. Attention, on va peut-être le retrouver petit à petit. Tom Jones, c'est à vous. On stage, on live, on air, Mr. Tom Jones and the students of Star Academy. Tom Jones International. Tom Jones Corporation International.
on air, on live, on stage with students of Star Academy, Tom Jones International. Tom, YouTube. Tom, on est là. Et Tom, il est là. Mais qui en self at home. J'adore. Tom Jones, il est à la maison, le gars. Tranquille. Hein. Rien pour vous pour la traduction. Just for the translation. Merci, merci, phones, in those days. Parce qu'il n'avait pas de micro à l'époque. Et il n'avait pas de Star Academy. Il n'y avait pas de plateau. Il chantait comme ça, en public et sans micro. Je vois Tom Jones checker ses potes. Nikos essayer de lui parler, essayer de lui poser des questions. Là, c'est pour une fois que c'est inversé. C'est Tom Jones qui écoute pas Nikos. Et non. Un concert à Paris le 10 juin au Zénith. Yes. Ah, il n'écoute pas. C'est l'inverse. C'est trop drôle de voir l'inverse. Tom Jones à Nikos à Nikos. Il n'écoute pas du tout. Le 10 juin au Zénith. Yes. Le 10 juin. June 10th. Le 10 juin. Oui, je viens de le dire. Yes. Si. Merci d'avoir été des nôtres. Oui. J'adore quand vous faites. Hello, hello, hello. J'adore quand il fait Tom Jones. Ah, this is Tom Jones, c'est énorme. Il essaie de rattraper. Un triomphe, s'il vous plaît. Ah, oh, j'adore. La bande audio. La bande audio. Écoutez-le. Oh la vache. 3w.caf.com. Oh là 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 là. Mais il avait pas envie de gagner là. Nous sommes allés. Vous aviez pas une limite de 20? Vous l'avez déjà utilisé tous 20 fois, Georges Alain là, c'est pas possible. Poussine a grandi. Ici depuis 3 mois, on ne parle que de lui. Et dans son ancien lycée. Je vais jamais pouvoir monter. Oui, il est malade. En plus, je l'ai dit que vous alliez être insupportable. J'en étais sûr que vous alliez. J'en étais. C'est insupportable. Vous avez un compteur? Je vais le bloquer. Le cooldown. Vous êtes un. Vous êtes un. Vous êtes un supportable. On finira jamais ce live. Oh le silence. Oh le silence. Oh, le silence. Bah c'est ça, hein. Non, c'est pas possible, comment il est passé. Voilà, sinon on est avec toi. Voilà. Mais c'est Benzema. Non, c'est pas Benzema. Il a un air de Benzema de ouf, non. Enlevez-lui le bob, mettez-le au réel. Là, aujourd'hui, on... Même si on n'est pas là, notre carrière. C'est ça. C'est long, le plan est long. Ouais. Moonraker. Un peu gênant. Ah oui, c'est l'instru, mais pas tout à fait l'instru. On connaît les masses de la force. Ah, il est là. Il s'y croyait trop, il avait trop envie de faire ça. On l'avait déjà vu sur Michael Jackson, plutôt. Mais par contre, désolé, moi aussi, mais on n'est pas tous Michael Jackson. Hein. Ah, il attend ça depuis 14 semaines, c'est souvent. Attendre ce moment, nous le survendre pour l'entendre où il chante hyper mal. Et en plus, ah, il est full cuir. Le thriller Wish, comme on dit quoi. C'est quoi ce zoom? Oh la vache. This time. Quoi ce move? Mais c'est qu'il a plus de voix, le pauvre. Il a plus de voix. C'était quoi le petit synthé là? C'est long. Hein. Est-ce Rabbi Jacob? Est-ce Thriller? Difficile à dire. Oui, c'est vrai. C'est plus long que ce live. Zombie Jacob, bravo Arthur. Pourquoi y'a un mec qui se fait tirer derrière? Qu'est-ce qu'ils font derrière?
Accompagné de danseurs et de danseuses de Kamel Wally. C'est nous à la fin de ce live. On n'en a pas reparlé, mais Nikos. Vous saurez, puisque c'est vous qui avez voté. Nikos c'est vous qui n'est toujours pas malaisant. Ah, c'est genre la dernière chanson à 4 de l'émotion. C'est bientôt la fin. Ah, j'adore. Vous pensez que ce live va se finir un jour ? Ils repartiront au château de Damarilelis. Mais pourquoi ? Genre, tu sais, ils ont un huissier, fallait vraiment qu'il fasse huissier, tu sais. Costume gris, cravate purple, lunettes rondes, enfin vraiment. Contrôlé comme chaque semaine. Comme chaque semaine depuis 3 mois et demi. Merci Eric Lemarec. Il aurait pu participer à la Star Academy. Il serait en demi-finale. Ah. J'ai un papier dans la main. J'ai un papier. C'est Houssine qui a été sauvé. Et voilà! Houssine a été sauvé à 57%. Mais oui, ils avaient dit on se retourne pas poignée de main. Tu l'as dit avant, pas de poignée de main, on se retourne comme des hommes. Il se serre la main. Pourquoi Nolwenn elle pleure? C'est la fin. Nolwenn elle pleure parce que elle sait que c'est la fin de son bullying au sein du château. Et qui garde le sourire. Georges Alain part enfin, il est soulagé de ouf. J'imagine très bien si vous pouviez faire une pluie de Georges Alain, Jessica, et je suis bien content de vous l'avoir un peu bloqué, justement. Pourquoi ? Vos 12 autres camarades qui ont été éliminés, certains... Moi, j'avais un pari avec Houssine. Je suis désolé, je vais demander juste une minute. Mais j'avais un pari. On avait fait un pari. C'était quoi votre pari ? Il faut que j'embrasse tous les professeurs, bye. En fait. Allez-y. Voilà. Mais mettez-y du cœur aussi pour nous. Il y a une surprise. Oh là là. Et voilà, si on était sûr, on arrive en fin de live. Je me suis dit, tout s'est bien passé, Nico ça n'a pas été malaisant. Et là, on arrive sur la fin. Une surprise. J'ai très peur. Est-ce que ça va être si horrible que je me l'imagine ou je vais trop loin dans ma tête? On va voir, attention. Il va embrasser quelqu'un sur la bouche là. Cette semaine, il va falloir les départager. Pendant que Georges Alain... embrasse ses professeurs. Non. Georges Alain qui garde le sourire. C'est horrible de faire ça. Bah c'est très dans leur attitude qu'ils ont eu dans le château quoi. Mais à l'époque ça c'était ok quoi. Alexia quel succès. Alors là. Oh puis l'autre. Puis voilà. le tiche-boum. Je viens de me faire Nicocède sur la dernière minute. Boum. Chat internet, www.tf. Merci d'être avec nous, merci d'avoir c'est été. Incroyable. Ce truc, je trouve ça incroyable. Cette demi-finale, garçon, pas comme les autres. Merci aux artistes. Ça y est, le Prime 15, saison 2, c'est terminé de la Star Academy. C'est fait, on l'a fait. Bravo tout le monde, à toutes et à tous, bravo. On l'a fait tous ensemble, incroyable. Merci beaucoup tout le monde, en tout cas pour votre... encore une fois, bienveillance. Ciao, bonne soirée. Bye et bye. Surtout, restez curieux. Ciao, ciao, ciao.